Voilà, je suis présente aujourd'hui à l'invitation de l'ASBL Ensemble pour la Fraternité, qui a été contactée par une association américaine, Let's All Connect, et qui a pour vocation de transmettre une boîte de la paix qui va tourner dans le monde entier et qui va essayer de mettre du lien, de la fraternité entre tous les citoyens. Et donc aujourd'hui, c'est à Bruxelles que cette boîte s'est arrêtée et que je l'ai réceptionnée avec le bourgmestre Yvan Mayer, parce que nous avons reçu des messages d'enfants, de messages de personnes qui sont solidaires de Bruxelles par rapport aux attentats que nous avons connus. À travers ce type d'événement, c'est Bruxelles qui reprend la main. Ce sont les citoyens bruxellois qui restent debout malgré ce que nous avons connu. Nous n'oublierons jamais le 22 mars, mais nous devons continuer à vivre et ne surtout pas vivre dans la peur et la terreur. Nous devons rester unis et solidaires, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et le soleil est avec nous. Merci. Un dièse, et le hashtag c'est un dièse, il suffit de le hashtag d'être un dièse.